Les articles dont vous aurez besoin pour la journée du vote étudiant. Urne, isoloir, scellé ou bande adhésive pour sceller les urnes, bulletin de vote, fiche de pointage. Rôle pour la journée du vote étudiant. Les scrutateurs sont chargés de mener l'élection étudiante et de compter les votes. Les greffiers du scrutin doivent vérifier l'identité des électeurs, les rayer de la liste électorale, distribuer les bulletins de vote et recueillir les bulletins. Lorsque le vote est terminé, les greffiers du scrutin doivent aider les scrutateurs à compter les votes. Bonjour, je m'appelle Ruth. Je suis la représentante de la candidate. J'ai été nommée par ma candidate afin d'observer le processus du vote lors de la journée du vote étudiante. Organiser le vote. Dans le guide des élections, vous trouverez plusieurs suggestions pour organiser le vote. Méthode possible. Le vote par classe ou un bureau de scrutin mobile qui se déplace de classe en classe ou encore un bureau de scrutin fixe où les élèves se rendent pour aller voter. Si vous optez pour le bureau de scrutin fixe, nous vous recommandons de choisir un endroit visible comme le gymnase, la bibliothèque, la cafétéria ou une classe vide. Nous vous proposons l'aménagement suivant pour faire voter le plus grand nombre d'élèves possible, rapidement et efficacement. Les élèves qui entrent dans le bureau de scrutin rencontrent les greffiers du scrutin en premier lieu et se dirigent ensuite vers l'isoloir pour voter avant de sortir. Le processus du vote. Étape 1. Lorsqu'un élève arrive au bureau de scrutin, il donne son nom au greffier du scrutin qui raye son nom de la liste électorale. Étape 2. Le greffier du scrutin remet à l'électeur un bulletin plié en trois et s'assure que le chef d'équipe ou le scrutateur l'a marqué de ses initiales. Étape 3. L'électeur déplie le bulletin de vote derrière l'isoloir, en privé, et marque son bulletin. Il le replie ensuite avant de quitter l'isoloir. Étape 4. L'électeur remet le bulletin marqué au greffier du scrutin qui surveille les urnes. Étape 5. Sans déplier le bulletin, le greffier du scrutin s'assure que les initiales du chef d'équipe ou du scrutateur sont visibles et remet le bulletin à l'électeur qui le dépose dans l'urne. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide des élections qui se trouve dans votre trousse « Vote étudiant ».